Cher Thaï, cher Sangha, c'est à la fois un grand bonheur, une grande joie d'être ici et une grande source de stress. Et si je suis assise ici, c'est parce que j'ai confiance dans la pratique, dans notre communauté, dans chaque personne qui écoute ici dans la salle et chez vous, à la maison. Parce que je sais que vous n'avez aucune attente. Et que vous allez pratiquer très bien le lâcher-prise. En écoutant ma grande sœur, Sœur Chanduk, parler de la compassion et du Bodhisattva Avalokita, je me suis dit que les trois quarts du Dharma Talk étaient faits et que finalement, j'avais plus grand-chose à ajouter. À chaque fois que je donne un enseignement, les sœurs me demandent si je veux le micro comme ça. Et à chaque fois que je réponds non, je pense que j'ai besoin d'avoir un ancrage. Donc le jour où vous me verrez avec un micro, vous saurez que j'aurai progressé. Tout ce que je vous raconte là, ça a l'air d'être des petites choses, des petits détails, mais en fait, la vie est faite de petits détails. Et il faut apprendre à regarder ces petits détails et prendre soin de tous ces petits détails qui ont à nous apprendre beaucoup sur nous, sur la relation qu'on a avec nous-mêmes, la relation qu'on a avec les autres, la relation qu'on a avec le vivant, notre terre-mère. Grâce à l'énergie de pleine conscience, chaque moment peut devenir un moment d'éveil. Même si la souffrance est là. Et bien souvent, c'est grâce à la souffrance qu'on arrive à toucher quelque chose de profond, de vrai, qui nous transforme et qui nous aide à changer quelque chose dans notre vie. Hier, frère Fapou a mentionné le fait qu'on n'est pas là pour éviter la souffrance, fuir la souffrance ou ne plus avoir de souffrance, mais apprendre à gérer la souffrance, à la reconnaître, à l'embrasser, à pleurer, comme Sœur Chanduk l'a mentionné avant le chant, s'autoriser à pleurer, être vulnérable, là, en prenant mon verre d'eau, je voyais bien que j'étais un peu tremblante. Ça va. J'accepte. Dans notre tradition, on essaye de générer la pleine conscience, la présence, être attentif à notre corps, à nos émotions, à notre mental, pour trouver un ancrage. À la fois un ancrage et en même temps une ouverture. Une ouverture du cœur et une ouverture de l'esprit.
et cette ouverture suppose un lâcher-prise. Abandonner les idées qu'on a. Les idées qu'on a de nous-mêmes, des autres, de ce que devraient faire nos enfants, de ce que devraient faire nos parents, nos grands-parents, de ce que devrait faire notre communauté. Et de pouvoir communiquer ensemble. De pouvoir générer le silence intérieur pour pouvoir écouter. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si on n'arrive pas à faire ça, on n'arrivera pas à écouter les autres. Et c'est bien ce qui se passe en ce moment. Pas partout, heureusement. Et c'est là où on peut jouer notre rôle. Dans la non-violence. Dans la non-discrimination. De « je suis dans le bon, dans la vérité, et tu es dans le faux ». On est tous dans le même bateau. L'expérience que nous avons tous et toutes vécue pendant un an au moins, ou peut-être deux ans, je vais dire grâce au Covid, nous a remis là où on doit être. Nous a fait reprendre conscience de notre finitude, de notre mort, de ce corps physique qui vieillit, qui tombe malade et qui un jour va se transformer en autre chose. Cette conscience de l'impermanence nous aide à chérir chaque moment, aujourd'hui, là, maintenant. Je regarde devant moi et il n'y a personne qui a besoin d'oxygène pour respirer. On a encore une bonne santé, relative, mais suffisamment bonne pour être là. Toutes les conditions de bonheur qu'on a là, maintenant, il faut les reconnaître. Il faut en prendre conscience. Tous les jours. C'est pas que au village des Pruniers ou que pendant la retraite qu'on fait ça. Si vous voulez, évidemment dans l'esprit de non-poursuite, mais quand même, si vous voulez toucher les fruits, goûter les fruits de la transformation, de la guérison, c'est tous les jours. Mettre en place quelque chose dans votre vie quotidienne, un tout petit peu, tous les jours. Pour arroser les bonnes graines dans votre conscience du tréfonds et dans votre conscience du mental, dans ce qui se passe. Et de reconnaître
que ce que je consomme, les aliments comestibles, les impressions sensorielles, ce que j'écoute, ce que je vois, ce que je sens, ma profonde aspiration, c'est aussi une source d'énergie qui va me faire dire ou agir de telle et telle manière. Si je suis empli de peur, de désespoir, d'où est-ce qu'elle vient, cette peur et ce désespoir? Qui a peur? L'expérience du Covid a vraiment été, c'est encore un laboratoire expérimental très intéressant. Et encore aujourd'hui, en France, je ne sais pas dans les autres pays, la graine de peur est très arrosée par les médias. Je vois des gens qui font ça. Alors, d'accord, on fait ça. Et ensuite, on coupe. On coupe le lien avec cette source. On tranche net. On devient le guerrier et la guerrière. Et parfois, il faut avoir du courage pour faire ça. Peut-être dans notre environnement proche, dans notre quartier, dans notre milieu professionnel. Peut-être on se sent isolé dans ce chemin intérieur, spirituel, qui nous fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que la communauté, la Sangha, est là. Pour ne pas se sentir isolé. Prendre refuge dans la Sangha. Thay nous disait que le Bouddha du futur, Maitreya, Maitri, la bienveillance, l'amour, le Bouddha du futur, le Bouddha de l'amour, sera une communauté. Et on voit bien de plus en plus l'importance de venir ensemble, de créer des lieux où on peut être ensemble, s'écouter ensemble, ne rien faire ensemble. Dans plusieurs pays, il y a des petites îlots, les zones bleues, blue zones, où la proportion de personnes qui ont plus de 90 ans, 100 ans, est beaucoup plus supérieure que la normale. Et donc il y a eu des études faites. Et souvent, ce sont des îlots dans des îles, en Sardaigne, Okinawa au Japon. Il y en a 5. Et elles ont des points communs. D'être isolées du monde industrialisé et donc de ne pas avoir accès à toute la nourriture industrielle, par exemple. Donc d'avoir une nourriture très très simple. Juste avec ce qu'ils cultivent. Et ils n'ont pas de stress. Ils n'ont pas le stress du temps. On peut regarder dans notre vie,
Comment est-ce qu'on peut créer des moments où vraiment on se détend? Peut-être le dimanche, les jours de non-travail, et de communiquer avec les personnes avec qui on vit. Et de respecter ce besoin fondamental de se reposer, de ne rien faire. De créer des nouvelles habitudes de vie. C'est ça le chemin, de créer des nouvelles habitudes qui nous aident à comprendre profondément notre malaise civilisationnel. Ça se dit ça ? Et de changer notre rapport au monde. La crise écologique, la crise de la biodiversité, toutes les crises qu'on peut énumérer et qui nous font venir ici, tous ensemble. Pour le philosophe, un jeune philosophe que j'aime beaucoup, que je viens de découvrir et qui est aussi pisteur. Donc il piste les loups, les ours. Et il apporte la dimension philosophique et tout le rapport qu'il y a entre nous, les êtres humains, et notre lien à ce qu'on appelle la nature, qui évidemment n'existe pas, qui est un concept. Pour ce philosophe, toutes les crises qu'on est en train de vivre sont des crises de la sensibilité. Et ça nous parle beaucoup, ça. Puisque le cœur de notre pratique au village, c'est de revenir au corps. Revenir au sens. Reconnaître les tensions qui sont là. Parfois, ce sont des grosses tensions. Et parfois, c'est très subtil. Et de pouvoir être en contact avec des tensions super subtiles, il y a quelque chose de magique. On rentre vraiment dans l'intime. Comme le pisteur qui découvre des signes que l'animal est peut-être là. Il voit sans le voir. On touche des micro-tensions sans vraiment comprendre, sans vraiment savoir, mais on sait que c'est là. Et détendre, relâcher, apporter du bien-être, de la tendresse, de la douceur. C'est ça dont le monde a besoin, de douceur, de tendresse, d'amour. Comme d'habitude, j'ai beaucoup travaillé, préparé et je vous regarde et voilà, j'oublie mes notes. On va écouter un son de cloche, respirer ensemble et peut-être je vous invite à rentrer en vous-même, fermer les yeux, vraiment essayer de prendre ce temps, ces quelques secondes, et voir, ah tiens, est-ce qu'il y a des petites tensions, des micro-tensions qui sont là? Est-ce que je peux les accueillir et les embrasser, les entourer de douceur, de tendresse? Peut-être en anglais ça pourrait être « softness ». Et d'apporter du bien-être
à ce corps, à ce cœur, à cet esprit. C'est difficile de s'autoriser à prendre le temps face à l'urgence des crises climatiques, sociétales, qui avancent droit devant nous, comme un mur et on ne sait pas trop quoi faire, comment faire, par où s'y prendre. Taïfapu, hier, a repris quelque chose que notre maître disait et qui est dans ce petit livre que j'aime beaucoup, Love in Action. Que même si on envoyait toutes nos armes sur la Lune ou voilà, ailleurs, ça ne résoudrait pas le problème. Puisque la racine, la source, et dans ceux qui produisent les armes, c'est-à-dire nous, les humains. Et donc il est vraisemblable, logique, que en prenant soin de nous, de nos émotions, de notre avidité, de notre ignorance, de notre discrimination, de nos discriminations, de cultiver l'amour, l'inclusivité, l'équanimité, la joie, la paix, la tranquillité. Elle est là, la solution. Je ne suis pas séparée de tout le reste. Pendant le chant de Namo, j'ai vu beaucoup de personnes verser des larmes. Parce qu'on s'est autorisé à être touché, à vibrer avec l'énergie de compassion, avec le chant. Prendre soin de ses émotions, quelque chose de très puissant. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'échapper quelque part. On peut rester dans le moment présent
même si c'est inconfortable, même si c'est désagréable, même si on sent que ça brasse. Et l'énergie de pleine conscience nous permet de nous ancrer dans notre corps. Et ce corps, il est ancré dans la terre. Nous avons des racines. Est-ce qu'on prend refuge dans la terre quand on marche, quand on est assis là? Est-ce qu'on sent la terre, la stabilité de la terre? Ce matin, nous avons eu une méditation guidée qui nous a proposé, qui nous a invité à sentir notre propre stabilité et la stabilité de la terre. Avec tous ces paradoxes, ces contradictions. Pour les personnes qui sont en ligne et pour les personnes qui sont là après la retraite, vous aurez accès au contenu de la retraite en ligne. Un des derniers workshops, ateliers, sera offert par deux personnes des Philippines qui pratiquent dans notre tradition et qui probablement partagent sur à la fois la beauté de la terre-mère, de toute la belle biodiversité, de voilà, c'est magique, et en même temps de ces super typhons, cyclones qui ravagent tout. Les deux font partie de la terre. La joie, l'amour, la paix, la compréhension sont en nous. De même que la graine de violence, de désespoir, de tristesse, de discrimination. Qu'est-ce qu'on veut nourrir ? Et dans les zones de guerre, de ravage, de catastrophes naturelles, souvent, c'est l'occasion de toucher la solidarité, l'entraide, l'amour. Juste avant l'enseignement, j'ai vu une action qui m'a beaucoup touchée. Encore là, un détail. Une grande gratitude pour les personnes qui sont en train de traduire. Une grande gratitude pour les personnes qui sont au sound system, à la caméra, etc. Sans toutes ces personnes, ça ne serait pas possible. Et juste avant que je rentre dans la salle, une amie de chez nous qui nous aide beaucoup avait un plateau rempli de tasses, sans doute des verres d'eau, pour nos traducteurs et traductrices. Et des petites attentions qui peuvent vraiment concrètement exprimer notre amour, notre reconnaissance. Donc ça n'a pas forcément besoin d'être des grandes actions, même si on a besoin de ça, mais de voir dans votre vie quotidienne comment est-ce que votre amour s'exprime concrètement à travers des petites actions envers vous-même, envers les autres.
J'ai parlé de prendre soin de nos émotions, de nourrir la graine de joie, qui pour moi va être fondamentale pendant ces décennies. On a eu des petites journées de pleine conscience récemment, au mois de mai. Et il m'est arrivé de dire qu'on allait joyeusement foncer dans le mur. Ça m'a surprise de dire ça. Mais voilà, si on fonce dans le mur, autant le faire avec joie, ensemble, en dansant, que dans la déprime et le désespoir. Ça peut être une piste. Je vois qu'il y a beaucoup de visages familiers, donc j'imagine que beaucoup de personnes connaissent ce schéma de notre maître, très simple, mais très efficace pour nous, pour comprendre notre psychologie, notre mental, comment on fonctionne. Et juste le temps. Je vais parler des quatre efforts justes. Qui font partie aussi des cinq pouvoirs. Parfois, on sent qu'on n'a pas... en anglais, c'est agency. On se sent impuissant, impuissante face à ce qui nous attend ou face à la situation. Si on pratique les quatre efforts dans notre vie quotidienne, et c'est la même idée. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir une grosse émotion pour le faire. Ça, on peut l'appliquer tout le temps. Je choisis où je veux aller. L'enfer ou le paradis, je les connais tous les deux. Je choisis où je veux aller. La pleine conscience, la concentration... nous permet de décider l'action juste, la parole juste, la pensée juste, la pensée qui inclut tout le monde. Notre maître nous invite à ne pas prendre position dans les conflits, par exemple. Ou dans des discussions très lourdes de responsabilité, dans les COP, par exemple. On a tous et toutes la graine de colère, de désespoir en nous. Et on a tous et toutes la graine de joie, d'amour, de compréhension en nous. Sous forme de graines ou de potentiel. Comment est-ce que on arrive à actualiser ces graines dans notre vie quotidienne, à les toucher? Et quand on les touche, quand on les vit, alors on les partage. Ça va ensemble. L'énergie de pleine conscience qui nous ramène au présent, dans notre corps, dans nos émotions, toucher la vie qui est en nous et qui nous autorise à aller au-delà de l'idée qu'on a de nous. Je suis comme ci, je suis comme ça, je ne changerai jamais, ou de l'idée qu'on a des autres. Pour beaucoup, ce sont des personnes proches, nos parents. Ils ne changeront jamais, elle ne changera jamais, elle est toujours comme ça, elle dit toujours ça. C'est peut-être vrai, mais on est plus que ça.
On est plus que nos émotions, que notre mental. On est beaucoup plus, puisque tout le cosmos est en nous. Dans le moment présent, je peux toucher l'éternité. Je touche à la fois la fragilité et la force de la vie. À chaque moment. Et c'est un entraînement. Un petit peu tous les jours. Pour les personnes qui sont chez nous, et je ne sais pas si on vous a proposé ça aussi pour les personnes qui font la retraite en ligne, on a des petits poèmes, des petits gâtas. Quand on se brosse les dents, quand on regarde le miroir, quand on allume, quand on ouvre le robinet, toutes les actions de la vie quotidienne peuvent nous faire toucher quelque chose de spirituel, de sacré, de profond. Mais si on est perdu dans notre mental, si on est perdu dans nos émotions, on n'a pas accès à ça. L'énergie de pleine conscience, qu'on pourrait schématiquement symbolisée par un plus. C'est juste pour communiquer, hein. Elle est là, dormante. Et quand on l'active, elle devient présente dans notre vie. Pareil, évidemment, pour la joie, la paix, la compréhension, l'amour. Mais il faut qu'on y mette du sien un peu. Il y a des personnes qui peut-être sont très chanceuses et sont joyeuses de nature, paisibles de nature. Mais si vous savez que ce n'est pas votre cas, alors il faut mettre en place quelque chose dans votre vie pour pouvoir toucher cette graine qui dort, qui est là et qui demande à être présente. Et ces graines positives vont nous permettre de prendre soin. Des émotions qui nous éloignent du bien-être. Un bien-être émotionnel, un bien-être physique, psychique. Quand la paix, la joie, l'amour est là, elle prend soin à la fois de ce qui se passe dans ce qui est dans le tréfonds, elle prend soin, et en même temps elle prend soin de ce qui est là. Donc c'est pas l'un ou l'autre. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais découvert. Ça prend plusieurs vies. Et il n'y a pas de séparation entre le bonheur et la souffrance. Et que si on se retrouve dans une situation plutôt désagréable, qui touche la souffrance, elle peut être une occasion
de faire toucher les graines positives. Et elle doit l'être. Elle doit l'être. Pour joyeusement marcher ensemble, danser ensemble, célébrer la vie. On cultive les bonnes graines. On essaie d'empêcher, de prévenir, mais sans refouler, sans. On permet aux larmes de couler, à la tristesse d'être là. On entend beaucoup parler de l'éco-anxiété et beaucoup, beaucoup de plus en plus de jeunes de 18 à 30 ans, selon les statistiques, sont vraiment déprimés. Donc chaque personne a un rôle à jouer, puisque la conscience, notre conscience individuelle, a un impact sur la conscience collective, et vice-versa. Être un guerrier, une guerrière, de la non-violence, de la bienveillance, de l'amour, de la paix, de la compréhension, de l'inclusivité, au sein même, peut-être, des conflits. Et parfois, ça veut dire juste être là, écouter. Frère Fapou l'a mentionné hier, développer cette capacité d'être tranquille, comme une eau calme, comme dans un bateau qui va chavirer, être la personne qui reste ancrée, parce qu'elle sait que si tout le monde commence à bouger dans tous les sens, le bateau va vraiment chavirer. Et donc être comme une cloche de pleine conscience pour les personnes qui nous entourent, avec des moyens habiles. Si on arrive en disant, bon, alors la pleine conscience, l'écoute profonde, la parole bienveillante. Ouais, oui. On n'est pas chez les bisounours. Et donc, ça demande de réveiller notre côté d'artiste, notre côté créatif, imaginer des moyens habiles avec le vocabulaire que vous savez qui va toucher les gens, qui va peut-être avoir un déclic. Dans ce travail continu du retour au moment présent qui nous demande souvent, parfois, de réajuster, de dire « Ah, là je vois que je suis dans cette dynamique de la peur, du désespoir. Comment est-ce que je peux tout de suite changer ?» Prendre soin de cette émotion, de cette dynamique, en générant une autre dynamique.
Et c'est un processus de non-violence. Ou pour le dire positivement, de bienveillance, d'amour. Et parfois, ça peut tout simplement dire développer la capacité de sourire. Sourire à notre colère, à notre frustration, à notre peur. La première fois que je suis arrivée au village des Pruniers, c'était cette expérience qui m'a beaucoup touchée. Les sourires. Toucher cette joie, même si la souffrance est là. Qui a eu la même expérience ? Et donc, dans le métro, dans le bus, au supermarché, vous pouvez être le bodhisattva qui sourit. Ça ne va pas changer toutes les crises, mais c'est aussi ici et maintenant qu'on change le futur. Le moment présent contient les trois temps. Le moment présent, quand on transforme, quand on guérit, quand on comprend, là, maintenant, j'emmène tous mes ancêtres avec moi, tous nos ancêtres, toute notre histoire commune de l'humanité et du vivant. Et cette transformation, cette guérison, cette compréhension, cet amour se transmet cet après-midi, demain, dans 10 ans, dans 100 ans. On vit une époque très paradoxale, très belle, à la fois des choses qui nous font toucher notre peur, la peur originelle de la mort. J'ai perdu le fil. Pourtant, c'était bien. Voilà, m'accepter tel que je suis. La non-violence, l'amour, la bienveillance, la joie de vivre. La gratitude. Comment est-ce que je nourris ça dans ma vie quotidienne ? Est-ce que je fais des efforts ou est-ce que j'attends que ça vienne ? Qu'est-ce que je regarde à la télé ? Qu'est-ce que j'écoute à la radio ? Quelle sorte de conversation j'ai ? Qu'est-ce que je lis ? Comment est-ce que je passe mon temps libre ? Quelle est ma relation avec mon téléphone ou ma tablette ou l'ordinateur ou tout ça? Est-ce que je peux me détacher? Est-ce que je peux lâcher prise? Notre maître nous rappelle tout le temps que l'impermanence
n'est pas qu'une idée. Probablement que tout le monde comprend intellectuellement que tout change. Mais il nous dit, on agit comme si rien ne changeait. Et donc de faire l'expérience au quotidien, on retourne toujours à cette idée. Comment est-ce que je peux amener, toucher les visions profondes si je ne suis pas présente à moi-même, à mes émotions, aux autres, et si en fait il y a du bruit sans arrêt, bruit du mental, si je cours sans arrêt. Dans le lâcher-prise, il n'y a pas de regret. Mais au contraire, il y a une joie immense. On se sent plus léger et légère. On sent qu'on a enfin coupé quelque chose et qu'on peut toucher une liberté. Et cette liberté, ce lâcher-prise, notre maître nous invite à en faire l'expérience à chaque pas. Est-ce que j'arrive à chaque pas à arriver ici, maintenant? Ou est-ce que je suis perdue dans mes pensées, dans mes projets, dans mes regrets, dans mes soucis, dans mes peurs? Le problème chez nous, c'est que la pratique est très simple. Tellement simple que... on va aller faire une marche ensemble. Si le ciel nous le permet, j'ai l'impression que oui. Et je vous invite, pendant la marche, tous ensemble, mais aussi pendant cette semaine, aussi à la maison, évidemment, parce que c'est cette pratique qu'on peut ramener aussi à la maison. Toutes les pratiques d'ici, on peut les ramener à la maison. De voir comment est-ce que je peux me débarrasser, vraiment. Il y a une très belle image que j'aime beaucoup utiliser. La goutte d'eau sur une feuille de fleur de lotus. Pas de fleurs, de lotus. Une feuille de lotus, elle ne s'attache pas. Elle coule. Lâcher prise. À quoi bon ? Passer des heures et des heures à argumenter, à être en conflit, alors qu'on sait que tout est impermanent. Demain, peut-être, cette personne ne sera plus là, ou elle sera là, mais peut-être elle ne pourra plus parler. Oui, ça nous fait toucher une vérité qui est douloureuse, de perdre nos proches, et en même temps, ça nous ramène à une réalité concrète de notre vie. Je choisis où je veux aller. Est-ce que je peux avoir une parole d'amour, de joie, de pardon? Si jamais demain je ne suis plus là, jamais demain cette personne n'est plus là, est-ce que je vais avoir des regrets? Où est-ce que je vais être en paix?
l'acceptation, accueillir, m'accueillir tel que je suis, accueillir l'autre tel qu'il est, sans essayer de le changer, l'aimer tel qu'il est, tel qu'elle est, m'aimer tel que je suis, avec toutes les belles qualités et tous les défauts. Ne pas rejeter, ne pas saisir, être dans l'équanimité, un des quatre esprits illimités de l'amour. Et notre maître nous dit équanimité ou non-discrimination. Ou encore inclusivité. Surtout pour nous les Occidentaux, depuis que les Lumières sont arrivées au XVIIe siècle, on a vénérer notre mental et notre capacité d'abstraction et de raisonner et de logique et tout ça et tout ça, qui nous a amenés à là où on est aujourd'hui. Et cette tendance à discriminer entre moi et toi, entre nous et eux, entre nous et les êtres humains, et eux, les animaux, là, en oubliant qu'on est des animaux. Heureusement, on est en train de se réveiller. L'éveil collectif est en train de se passer. Donc maintenant, la grande question, c'est comment est-ce qu'on vient tous ensemble pour faire nombre ? Pour agir? Ça, c'est la grande question. Parce que c'est sûr qu'il y a plein d'endroits partout, comme ici, où on a compris. On a compris qu'on n'est pas séparés. Que la Terre, elle est là, elle est en nous. Et quand on se fait du bien, on fait du bien à la Terre. Et quand on maltraite la Terre, c'est nous qu'on maltraite. Quand les bambous dansent, est-ce qu'on s'autorise à danser aussi à l'intérieur ? Est-ce qu'on capte ce qui se passe ? On est là, oui, les bambous dansent. Se laisser mouvoir, émotion, motion, se mouvoir. Laisser l'émotion nous traverser, ou plutôt traverser l'émotion. Redevenir sensible, vivant. La pleine conscience, un petit peu comme Thay Phat Phu a dit hier, je ne sais plus comment il l'a dit, je vais le dire d'une autre manière, ne sert à rien. Mais nous permet de toucher l'énergie de vie, de vitalité, et de prendre soin de cette vie. Et de regarder dans notre vie quotidienne, qu'est-ce qui va dans le sens de la vie, qu'est-ce qui protège la vie, et qu'est-ce qui va dans l'autre sens. Et de faire des choix individuels, des choix collectifs, des choix territoriaux, des choix nationaux. Et évidemment, plus l'échelle est grande, et plus c'est difficile.
les pays riches ont quelque chose à dire aux pays pauvres, de ne pas faire ça, de ne pas faire ci. Les énergies vertes, la croissance verte. Pour qu'une vraie croissance verte puisse se passer, il faut barrer le mot « croissance » et retourner à la simplicité. Ces quelques îlots que j'ai mentionnés au début, les zones bleues, ces personnes de 90 ans, 100 ans, sont en très bonne santé, c'est ça le truc, c'est, elles sont en très bonne santé. Et elles sont heureuses, même si, comparé à notre mode de vie, la pauvreté est là. Le lien social, la famille, dans Costa Rica, 4 générations sous le même toit. C'est beau, 4 générations. Et je sais qu'au Vietnam, c'est aussi comme ça. Et chez nous, bah, les vieux, en EHPAD. Parce que notre mode de vie, notre système est un peu fou. Et en train de nous rendre un peu fous. J'aimerais finir l'enseignement avec une chanson. Je me rends compte que j'ai quand même oublié un tout petit truc. Il est là, le moment présent. Si vous pouvez amener ces 3 éléments dans le moment présent, on a tout gagné. Merci. On va vous inviter à tous chanter ici dans la salle et aussi à la maison. J'ai vu que Léa était en train de s'approcher. Merci Léa. On a parlé de nourrir la joie, de prendre soin de la joie, du bonheur, de l'amour, de la paix. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup danser, je ne vais pas danser. Donc j'espère que vous allez pouvoir apprécier ce moment ensemble et de toucher l'amour, la joie, la paix. Et la puissance. Et donc je vais laisser Léa guider le chant. Merci Léa. Dear Sangha, I'm very happy to sing with you. And so I will do the call and you can do the response. Je vais chanter avec vous. Et moi, je vais chanter en premier. Et vous pouvez répondre. Et il y a aussi des... Par contre, c'est une chanson en anglais. Et on a des mots-clés qu'on peut accompagner des gestes. C'est l'amour. Et on l'envoie à travers des montagnes et de la mer dans les ciels. Et ça revient vers moi et vers nous. Et comme d'habitude, au village des Pruniers, les chants que nous faisons sont aussi vraiment des pratiques, d'accord ? Donc vraiment de sentir l'amour, de sentir la joie et de visualiser les montagnes, les mers, etc. D'accord ? I send my love over the mountain. I send my love over the sea. I send my love into the heavens.
Et tous et toutes ensemble. Et it returns to me. I send my joy over the mountain. I send my joy over the sea. I send my joy into the heavens, and it returns to me. I send my peace over the mountain. I send my peace over the sea. I send my peace into the heaven, and it returns to me. I send my healing over the mountain. I send my healing over the sea. I send my healing into the heaven, and it returns to me.